Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est 25. Aujourd'hui on se retrouve sur la team Pokévat pour eh bien, le premier épisode est parti eh bien, de hashtag SR. J'espère que la vidéo vous plaira. Et aujourd'hui on va parler eh bien, des membres, de l'avenir de la chaîne et de la chaîne dans sa généralité. Commençons directement par les membres parce que ça va être le plus rapide. Aujourd'hui sur la TP, comme vous pourrez le voir, il y aura très peu de visuels pour ceux qui voudraient savoir. Donc si vous voulez juste mettre ça en fond, n'hésitez pas, je mettrai juste quelques visuels pour la praticité, mais c'est pas forcément nécessaire. Donc comme vous le savez probablement, sur l'ATP on est trois membres à l'heure actuelle. Il y a moi-même du coup qui est toujours présent, ça semble logique, Diflis qui est là eh bien, depuis sa création, et Jack Marley qui est là depuis un an et demi quasiment. Et voilà, il y a eu cinq autres membres qui sont partis entre temps. Sinon en termes de membres, si on reste dans ce thème là, à l'heure actuelle eh bien on cherche tout, enfin je cherche toujours des personnes qui pourraient rejoindre la chaîne. Donc si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être intéressé de faire des vidéos, pas forcément régulièrement, enfin si un minimum de régularité est quand même demandé, voilà, une vidéo ou un short par exemple tous les mois, voilà, tous les 1 à 2 mois maximum, pour qu'il y ait un minimum de régularité sur la chaîne, et pas qu'il n'y ait que moi qui publie des trucs dessus. Du coup, si vous connaissez quelqu'un qui serait intéressé du coup de faire soit une première expérience YouTube sur la chaîne Team Pocket, ou qui voudrait publier des contenus différents de sa chaîne perso sur la chaîne Team Pocket, n'hésitez pas à lui envoyer cette vidéo. Ça pourrait peut-être l'intéresser et peut-être que ça sera le début d'une nouvelle aventure et de nouvelles amitiés, j'ai envie de dire. On ne sait jamais. Donc sinon pour les autres membres, voilà, ils n'avaient pas grand chose à rajouter. Donc voilà, j'ai pas de message particulier à rajouter de la part de Diflix ou de Jack Marley. Donc on va continuer avec la chaîne en général. La chaîne en général qui aujourd'hui est sur une bonne voie. La chaîne en termes de statistiques, vous verrez ça dans la vidéo qui sortira sur les statistiques, mais est très positif. Je crois que la chaîne n'a jamais eu un score aussi bon depuis des années, et j'ai envie de dire en même temps ça semble logique. Peut-être que l'année dernière on avait fait de meilleurs résultats, je ne sais pas, mais dans tous les cas ça reste tout aussi super. En tout cas sur la chaîne on est très contents tous les trois que la chaîne marche autant, enfin autant à son niveau quoi. Et on est très content du coup que ça réussisse autant, que ce soit les contenus eh bien, de Jack Marley qui réussissent super, les vidéos Backrooms qui ont bien carry la chaîne de Diflix, ainsi que les shorts également de Backrooms. Sinon concernant ma part, je crois que j'ai fini Battle saison 2 cette année, je crois. Et j'ai lancé Let's Go, il y a eu des vidéos compilation qui ont un petit peu fonctionné je crois. Il y a eu quelques petits autres trucs, mais pas grand chose de fifou. Sinon, moi personnellement, en termes de vidéos, ça va, ça continue petit à petit. Peut-être qu'un jour, Let's Battle, je commence à tout mélanger. Peut-être qu'un jour, le Battle saison 3 arrivera, mais pour le moment, je suis sur Let's Go et je me plais bien. Sinon, concernant l'avenir de la chaîne, du coup, déjà, comme dit, on recherche des membres qui pourraient rejoindre la chaîne. Donc, voilà, je redis, mais si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être intéressé, n'hésitez pas. Concernant la chaîne, en termes de rythme, etc. à venir, personnellement, je vais garder mon rythme d'une vidéo par semaine le mardi à 11h. Donc si vous voyez qu'une vidéo ne sort pas le mardi à 11h, c'est que j'ai pas eu le temps de la faire en avance. Et donc que la vidéo sort le jour même, mais quelques heures après. Donc voilà. Concernant eh bien, les deux autres membres, Jack Marley et Diflix, ils comptent sortir encore des vidéos, ne vous en faites pas. Diflix actuellement est en pause d'un peu partout, donc faudra un petit peu attendre pour qu'il revienne. Mais en tout cas, je pense, vu toutes les vidéos Backrooms qu'il y a, vous avez de quoi rattraper. Ça vous laisse le temps eh bien, de rattraper si vous n'avez pas vu les vidéos. Ne vous en faites pas, Diflix a en plus nous avait dit qu'il avait un concept bien sympa qu'il pourrait faire sur la chaîne Team Poképot. Et concernant Jack Marley, il y a encore pas mal d'idées. Je vais pas vous spoiler de toute façon ce qui va arriver. Attendez-vous à ce qu'il y ait des vidéos bien sympas, des suites de concepts qu'on avait fait auparavant, pardon, et des nouveaux trucs qui devraient sûrement venir un jour également. Sinon, concernant un peu la catégorie autre,
bannière qui a changé cette année, je crois. Très très sympa. En tout cas, j'aime beaucoup la bannière. Logo qui est toujours celui qu'Alit avait fait à l'époque et qui, je pense, ne changera pas parce que, bah, en soi, enfin, sauf si quelqu'un refait un remaster HD. Là, à ce moment-là, je pourrais peut-être songer à changer, mais sinon, pour le moment, je suis très satisfait du logo de la chaîne qui est très très sympa. Et concernant le rythme, voilà, comme dit, hein, on essaie de vous sortir. Enfin, moi, c'est une vidéo par semaine, dans tous les cas, pour le moment. Et concernant les autres, s'il n'y a pas de pause pour les membres en question, ça reste le rythme habituel que vous connaissez depuis quasiment 2 ans maintenant, je crois. Donc une vidéo plus ou moins par mois pour les deux autres. Mois et demi, on va dire. Ça dépend de qu'est-ce qu'ils sortent en soi. Si c'est un short, je crois que ça leur prend moins de temps, donc forcément ils peuvent être un peu plus présents. Donc voilà pour la première partie d'Hashtag SR. Je crois pas que j'ai d'autres trucs à rajouter, donc si c'est le cas, je les mettrai en description dans des petits PS. Mais je pense que j'ai tout dit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre un commentaire si vous êtes satisfait eh bien, du rythme actuel de la chaîne Team Pocket, eh bien des vidéos qui sortent, etc. On se retrouvera donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. Rendez-vous demain pour la vidéo des statistiques 7.45 et je vais vous dire enjoy!